C'est vraiment un très très beau tableau, ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par exemple des idées. Genre, par exemple, faire un gros caca. Et je mettrai à chaque fois. Je mettrai par exemple le nombre de votes, tu vois. 2, 8. Un truc comme ça, quoi. On fait ça? Alors, je vais aller tout en bas dans les plus anciens. Alors bien sûr, les gens qui m'ont dit, oh, fais ce qui te plaît, oh, tu sais, ce qu'il faut, c'est qu'on soit tous amis dans la vie. Bon, évidemment, eux, je vais même pas les lire. Alors, après, le problème, c'est qu'il y a des gens qui m'ont répondu des trucs avec genre 5 idées de contenu. C'est un peu trop. Comme ce que tu viens de mettre et ASMR. ASMR, je crois que personne n'en a parlé. Alors, il y a un mec qui a quand même mis Isaac. Donc, sachant que je me suis exprimé pourquoi il y a 5 ans, j'arrêtais d'y jouer et que je n'y jouerai plus jamais. Mais bon, pourquoi pas? Isaac. Il y a un mec qui a mis Mapping Trackmania. Genshin Impact, Booster Pokémon. Il faut en garder un, quoi, en fait. Trackmania, c'est ça? Je vais partir du principe que sa première proposition, c'est le truc qu'il veut le plus voir. Carte. Quelqu'un d'autre? Elden Ring, ça y est. Donc ça a été la quatrième réponse. Elden Ring. Ok. Une deuxième pour carte. Live IRL. Live IRL. Qu'est-ce qu'il m'a mis exactement? Donc ça c'est quelqu'un qui m'a mis live en extérieur, en multi, PUBG, etc. Let's play BG3, c'est quoi? Baldur's Gate? Ok. Carte de collection et actu jeux vidéo. Bon, je vais garder juste la première idée qu'il a mise, donc c'est live IRL. Ensuite, quelqu'un m'a mis des tutoriels décalés. Qu'est-ce que cette phrase peut bien vouloir dire? Je ne sais même pas ce que ça peut vouloir dire. Combien de votes? Une centaine à peu près. Du multigaming. Ok. Multigaming. Ok. Du soleil et des cocktails PTDR. Très bien. C'est vrai que c'est drôle ça. Un DJ set fissu... Ah oui, featuring insuline et nicotine. C'est Antoine Daniel et Étoile. Je ne pense pas qu'un jour je sois conseillé à faire quoi que ce soit avec ces deux personnes. Et de toute façon, je ne fais pas de DJ set. Je pense que vous l'avez compris depuis le temps. Donc je ne vais pas relever du coup cette réponse. Live IRL, une deuxième personne me l'a demandé. Ok. Cyberpunk, on m'a demandé. C'est fou ça. Cyberpunk 2077. Bon, je vais mettre Cyberpunk tout court. Ok, intéressant, hein. Des Lego. Ok. Personne n'a voté Elden Ring? Bah si, une personne. Alors, découverte de nouveaux jeux, donc ça c'est multigaming. Donc, deuxième vote pour multigaming. Ok. Ah oui, FF7 Rebirth, ouais, mais ça, je me suis déjà expliqué pourquoi je le ferai pas. Quelqu'un qui m'a dit surtout des jeux indés. Bon, bah, ça du coup, c'est du multigaming. Bande d'arcade, sneakers, machin. Ok. Stream en duo avec des gens comme Jarmou ou Dars Colette. Jarmou, oui, on va sûrement rejouer ensemble. Colette, je crois que c'est compliqué parce qu'on n'a pas du tout les mêmes horaires, il me semble. À voir. Je ne serais pas contre, mais. Qu'est-ce que je mets? Stream en duo ouais, le problème, c'est que les streams en duo, c'est compliqué, quoi. Ok, je vais mettre stream duo. Ok.
Genshin. Putain, il y a quand même une personne qui réclame du Genshin. Ok, ok. Quelqu'un demandait des jeux de rythme. Rhythm Games. C'est toi le vote Elden Ring ? Bah c'est possible, pour l'instant il n'y en a qu'un seul. Ok. Ah ! Eh ben figure-toi qu'il y a un deuxième vote pour Elden Ring. OMG. Déjà deux. Non pas trois, simplement deux. Gaming, des tests de jeux comme au Steam Fest, beaucoup de démos de jeux indés. Donc ça c'est du multigaming. 4. React d'épisodes d'animé. Alors le react d'épisodes d'animé, non, je n'en ferai jamais pour des raisons de copyright, parce que c'est totalement illégal, et que bien que les gens le fassent quand même sur Twitch, bah j'ai pas envie de le faire, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. je sais pas si c'est faisable, mais de l'IRL de skatepark. Alors, l'IRL de skatepark, c'est un truc qui m'est souvent demandé. Et vraiment, il faut que vous compreniez un truc, c'est que je ne suis pas bonne en skate. C'est-à-dire que une session basique de skate, c'est à peu près moi qui, pendant 20 minutes, essaie de sauter sur mon skate. Et au bout d'un moment, je me fais mal au mollet ou à la cheville. Et c'est la fin de session et je suis en nage. Et voilà. En fait, vous pensez Trasher. Vous, en fait, vous avez dû aller sur la chaîne YouTube de Trasher Skate and Destroy. Et vous avez vu des mecs qui, pendant 35 minutes, font des kickflips au-dessus de 18 marches d'escalier. Et en fait, j'ai pas ce niveau-là. Et probablement, je l'aurai jamais parce que je suis vieille. Dans le milieu du skate, je suis plutôt vieille. Donc, en fait, vous êtes persuadé que ça va durer longtemps et tout. Mais en fait, allumer un stream, dire bonjour, accueillir les gens, ça prend déjà 20 minutes, voire plus. Et en fait, bah, le temps que je passe à faire du skate, sachant que je peux pas faire le moindre ramp, Kenny a un meilleur niveau que moi, par exemple. Mais moi, je suis vraiment... C'est comme si j'étais encore en train d'apprendre à marcher, si vous voulez. Donc, les live skateparks, vous êtes beaucoup à m'en demander, mais vraiment, c'est impossible, quoi. Parce que non seulement je vais sûrement faire tomber le portable, soit je vais me faire mal, et puis j'ai un niveau qui est nul à chier, en fait, vraiment, quoi. Mais pour voir ma progression, de rien du tout. Lancer un stream de 20 minutes, ça ne sert à rien. Un stream qui dure en dessous de 2 heures, ça sert pas à grand chose dans l'absolu. Et 2 heures de skate, c'est beaucoup trop pour moi. Je tiens pas 2 heures en fait. Donc ouais, tout ce qui est skate, non, c'est absolument non. Faire des petites vidéos montées pour en faire un TikTok, oui. Parce que ben, c'est monté, c'est cut et c'est pas chiant. Vous avez pas l'idée d'à quel point ça va être chiant de me voir faire une tentative de ollie. Et juste après, je souffle comme ça parce que j'ai une condition physique dégueulasse, quoi. Donc, non, vraiment, faut vraiment que vous compreniez que ce n'est pas possible de faire des streams de skate. Vraiment, c'est... Arrêtez tout de suite d'y penser. Voilà. Ouverture de carte. Quelqu'un d'autre qui en veut. Ça nous fait 3. Elden Ring. Oh là là, 3e. Ok. Stream hot tub. Ha. Le problème, c'est que le stream hot tub, c'est compliqué dans le sens où moi, je suis en appartement et que je ne possède pas de hot tub. Et que louer une maison qui en a un, ça coûte tout de suite 300 balles, quoi. Minimum. Sans la caution. Ah, donc, hot tub, moi, je serais pour en faire. Hein. J'en aurais un chez moi, honnêtement, j'en ferais toutes les semaines. Hein. Mais c'est pas le cas et ça coûte très cher. Et je suis pas sûr que le nombre de subs rattraperait le truc, quoi. Apprentissage CS2. Ah, fallait voter sur Instagram. Ah, c'est trop d'âge, c'est trop tard. CS2, putain, ouais, c'est vrai que un jour peut-être. Hein. Donc là, on en était là, et j'arrive là. Ok. Stream découverte de jeu, ok. Donc là, on est sur multigaming. 5. React conférence jeux vidéo. Ah bah ça, du coup, je les ai faites. Ou actu jeux vidéo. Ah ouais, bah voilà, bah ça, c'est du coup multigaming. 6. Ok. Cocktail. Ah putain, c'est vrai qu'un stream cocktail, ça fait longtemps. C'est vrai. Le problème, c'est que mon PC portable, maintenant, il souffle. Et refaire un stream, je sais pas comment ça serait possible. Mais je le note, on sait jamais. Alors, quelqu'un m'a dit, alors, stream ASMR, cocktail, jeu narratif, non. Vraiment, j'arrive pas. Déjà, moi, j'aime pas trop les jeux narratifs, mais alors en stream, c'est très compliqué. Stream jonglage ou diabolo. Ouh, trial. Putain, rien que ça va loin. Hein.
Alors, ASMR, personne ne l'avait proposé encore. Hein. ASMR. Et cocktail. Allez, je vais mettre un deuxième vote pour cocktail. PUBG, quelqu'un me demande. Un nouveau numéro de Point Barre. Donc ça, c'est des cocktails. Point Barre, je vous ai déjà expliqué pourquoi l'émission était en pause, parce que c'est un concept qui ne m'appartient pas. Après, je suis quand même libre de faire des streams cocktails si je veux, donc c'est pour ça que je mets un vote de plus là-dessus. Du speedrun, je ne vais même pas te répondre. Du rousquette, bah, je me suis déjà exprimé là-dessus. Hollow Knight, déjà streamé deux fois, souvenez-vous. Là, on a quelqu'un qui me demande carte de collection et pop and musique. Donc là, on est sur Rhythm Game. Je mets un deuxième vote. Carte de collection, ici. Le problème, c'est que les cartes de collection, c'est cher et qu'en ce moment, je mets des sous de côté pour me racheter un setup PC. Donc c'est pour ça que je fais pas beaucoup d'ouverture. Isaac, quelqu'un me demande. Putain, deuxième vote, Isaac. Putain, mais vous avez déjà écouté ce que je vous ai dit à propos de ce jeu. Bref. Lorelei and the Laser Eyes, qui à ce qui paraît est très bien. Alors le problème, c'est que c'est très narratif, ça. Je peux quand même le mettre. Hein. Lorelei. Ok. FF7 Remake. Ah oui, quelqu'un me demandait si je l'avais fait. Donc la réponse est oui. Mix de hardcore, je fais pas de DJing. Apéro, blabla. React de Nintendo Direct. Non, le Nintendo Direct, je fais pas de... En fait, je fais jamais de React de conférence, du manière générale. C'est plus énigme. Ah ouais? Il n'y a pas trop des plâtrés de texte à lire tout le temps? C'est juste ça, quoi. Apéro, blabla. Bah, ouais, ça veut tout et rien dire, ça. Hein. Apéro, blabla. Bon. En soi, du blabla, j'en fais sur chaque stream. Hein. Alors, quelqu'un d'autre qui nous demande de l'IRL avec du yo-yo. Bon, je mets ça dans IRL 3. Popen, non. Rhythm Game, 3. Lego, 2. Elden Ring, 4. Putain, Elden Ring qui remonte, j'hallucine. Ok. TCG, 5. Vidéo React, décryptage. Ah, c'est vrai que... Ah oui, du React en mode pas chiant, c'est ça? C'est vrai que j'avais fait ça récemment. Ouais, c'était pas mal. Bah du coup, c'est la deuxième personne qui m'en demande. Allez hop. Faut quand même lire, même pour choper des indices. Ouais. Est-ce qu'à la fin on pourra faire un sondage dans le chat pour Elden Ring et d'autres réponses? Je sais pas, attendez, laissez-moi déjà dépouiller et puis on verra. Alors attends, donc là on en était là. TCG, React, ok. Conférence, bah ça du coup ça a été fait. Stream on door, allez hop, un autre IRL. Like a Dragon Infinite Wells, quelqu'un m'avait demandé. Bah, je me suis déjà exprimé là-dessus. Review de jeux peu communs. Ouais, donc ça c'est multigaming. Hein. Ça c'est ce que je fais d'habitude. Pop and Music. Allez, le Rhythm Game 4. Ok. Life Diabolo. Donc ça c'est IRL. TCG. On arrive à 6. Des jeux de ta jeunesse, bah non, parce que ça serait du rétro gaming, je me suis déjà exprimé sur pourquoi j'en fais pas. Live coop avec Jarmou, et décidément vous avez bien aimé hein, le live avec Jarmou. Stream duo. 2. Live IRL. Putain, c'est fou. Live IRL. Et Trials! Ah, quelqu'un me redemande du Trials. Lorelai, c'est des heures de réflexion sans jouer. Ouais, bah du coup, non, quoi. Bah du coup, non. Vous vous doutez bien que je vais pas streamer un jeu comme ça. Pas moi. Voilà. Découvrir des démos. Ouais, bah ça, du coup, c'est déjà fait. Ok.
popée de musique. Donc ça, c'est du rhythm game. Just chatting, bon, ça, c'est un peu tout le temps. Contenu IRL, 7. Carte de collection, 7. Genshin Impact. Il y a deux personnes qui m'ont demandé le retour de Genshin. C'est pas beaucoup, deux. Hein. IRL, hop, à nouveau. Popen, donc ça c'est du 6. Elden Ring 5. Multigaming. Ok. Multigaming à nouveau. Multigaming à nouveau. PUBG. Putain, deux votes pour PUBG, quoi. Back to 2018. Elden Ring, en coop même, la personne me précise. Avec un mode à installer. Ok. Ensuite, Skatepark, donc je me suis déjà exprimé. Popen Music. Donc ça, c'est du Rhythm Game. Hop. J'avais pas mis Genshin, car j'y ai pas pensé. Il n'y a pas beaucoup de place pour écrire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah merci, j'ai fixé faire, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Oh là là, j'ai envie de dormir, putain, c'est incroyable de merde. Petit cappuccino après. Des live voyage. Bon, ça, ça rentre dans le cadre IRL. Test de Wuthering Waves, déjà fait. Jeu d'horreur, j'en fais pas, je vous ai déjà expliqué. IRL à nouveau. 10. Multigaming à nouveau. 11. Jeu indé qui vient de sortir, donc 12. Recommandation tier list de manga. Ouais, mais ça, je le fais un peu à chaque tous les jours, quoi, en fait. Le truc, c'est que là, moi, ça fait un an presque et demi que je lis pas autre chose que One Piece. Donc voilà, quoi. Ça, pour moi, ça rentre dans le just chatting, mais ça, j'en fais à chaque stream. Ok, multigaming à nouveau. Trackmania, putain, il y a une deuxième personne pour Trackmania, j'hallucine. Subnautica, ouais, non. Lorelei, on me le redemande, putain, c'est fou. Ah ouais, mais si c'est des heures de réflexion sans jouer, putain, ça va être insupportable, quoi. Isaac, putain, mais j'hallucine. Vous êtes vraiment sérieux? Genshin. 3 votes pour Genshin. React, le retour. Jeu en one shot. Démo, découverte. Ça, c'est du multigaming. Bon, ça me rassure le fait que multigaming gagne quand même. C'est quand même le gros de mon contenu, donc je suis quand même contente que ça vous plaise. Ok. Genshin 4 IRL. IRL avec Trinity, quelqu'un me dit. Alors le problème c'est que Trinity elle est un peu loin, mais test de jeu récent. Donc ça c'est du multi, c'est de l'actu jeu vidéo. Ouais. Ah, vous pouvez pas revoter dans le chat, hein, désolé. Donc ça c'est bon. Trials. Deuxième vote pour Trials. Un live anecdote react sur d'anciens contenus à toi. Pff, franchement, non. Des jeux Nintendo. Des jeux Nintendo. C'est très précis. Bon, je mets ça dans multigaming. Jeu de rythme. 8. Ok. Honkai Star Rail. Compliqué. Je suis pas très fan du jeu, donc je vous avoue que j'ai pas très envie de le relancer. Sauf si on me propose un Bounty Twitch. Genshin, à nouveau. 5. PUBG. 3. Un hot tub, à nouveau. Ça me fait marrer, hein. Ok.
Trials. Et on arrive presque au bout là. Hein. On arrive presque au bout. Il y a des réponses que j'ai pas lues parce que c'était des demandes de skate ou de rétro gaming. Donc ça, forcément, vous savez pourquoi j'en fais pas. Délit de jeu indé. Des jeux indés, je pense, t'as voulu dire. Ah merde, j'ai mis 163. Attends. Non, c'était 17. Voilà. Featuring avec un streamer sur Trackmania, Trial ou jeu en duo. Stream duo, vous aimez ça, hein, j'ai l'impression. Hein. Just chatting. Featuring à nouveau. Ok. C'est bon, c'est très précis. Hein. Vous voulez pas des streams à plusieurs, vous voulez des streams duo. Mais moi, ça me va très bien. C'est des streams que j'aime beaucoup aussi. Ok. Du TCG. Et la dernière réponse. Gaming, coop aussi. Coop de façon plus globale, là on m'a dit. Bon, je mets ça dans Stream Duo, quoi. Voilà! Voilà, voilà. Toutes les réponses. On en est là. Ah oui, mais attends, vu que j'ai mis les 2 et 3, oui, on peut rajouter un Genshin. On peut rajouter un Genshin et un Kart. Ok. Voilà, c'est bon. On a les oreilles sensibles, ouais. Donc, si on fait un classement, ça fait quoi? Putain, j'aurais dû faire un tableur. Merde, merde. Si on fait un classement, ça fait ça. Ça. Carte, on va sûrement en ouvrir demain. Enfin, si j'arrive à émerger. Demain ou après-demain, peut-être. On verra. Little Witch in the Woods. Little Witch in the Woods. T'as proposé ça? Je l'ai pas vu dans la liste des réponses. Hein. Little Witch in the Woods. Tu l'avais posté en réponse sur Instagram? Ah, c'est peut-être. C'est possible qu'il y ait des réponses qui soient mutées. Je regarde, mais. Little Witch in the Woods. Non, je vois pas. Hein. Non, j'ai toutes les réponses sous les yeux là. J'ai pas ça. Hein. T'es en privé, c'est peut-être pour ça. Ah ouais? Je sais pas. Bizarre. Je suis régulièrement sur les lives de Faror. Elle nous traite souvent du bien de toi. Ah, mais ouais, ouais, mais Faror, je l'aime beaucoup. Elle est très, très sympa, ouais. Ma vie pour un stream duo avec elle. Qu'elle me propose quelque chose. Et j'accepterai probablement. Alors, Rhythm Game. Ok. Genshin. Genshin à égalité avec Elden Ring. Hein. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. C'est tout ce que j'avais à dire. Stream duo. Bam, 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 bam. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir voté alors? Comme pour les européennes? C'est ça la vraie question. Merde.
Hop, et hop. J'ai vraiment rassemblé toutes vos réponses, en tout cas celles que j'ai lues, vu qu'apparemment il m'en manque certaines. Voilà! Voilà la liste triée. Ça donne ça. J'ai voté pour les démos et le multigaming, dont non, je regrette pas. Bah tant pis. Enfin, je veux dire, tant mieux. Eh bah tant pis. C'est la violence. Eh bah tant pis dans ce cas. Oh la vache! Je me demande si je suis pas malade. Il n'y a aucune raison que je sois fatiguée comme ça. Je veux dire, hier, j'ai rien foutu, quoi. C'est peut-être ça le problème, justement. Et toi, t'en penses quoi? Oh, moi, j'en pense que du bien. Hein. Non, non, mais moi en vrai, ce sont les réponses des trucs que je ferais pas, c'est-à-dire rétro gaming ou des jeux vraiment très particuliers ou du skate. Je les ai déjà filtrés et il y a plein de réponses que j'ai pas lues justement pour ça. Après, moi, honnêtement, le truc moi que je pense très mauvais plan, c'est Lorelei. Parce que ça, c'est vraiment du narratif, c'est beaucoup de texte, c'est beaucoup de dialogue. Et ça, c'est compliqué. Je sais pas si je peux barrer le truc. Donc ça, moi, ça me paraît pas un bon plan. Cyberpunk, c'est pareil, c'est compliqué parce que le problème, c'est que j'ai toujours le même PC qui plante. Et moi, Cyberpunk, ça fait des années que je veux le faire, depuis sa sortie, en fait. Et j'aimerais bien un jour le faire, mais en qualité max. Donc, le jour où j'achèterai un nouveau double PC et tout, je pourrai y jouer avec les mods, le RTX et compagnie. Mais ça sera pas tout ça, quoi. Ça sera pas de sitôt, je veux dire. Donc, ouais, tout ça pour dire que Lorelei et Cyberpunk, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est pas vraiment faisable. Donc, voilà. ASMR, pourquoi pas. Hot tub, je vous ai déjà dit, en fait, le problème, c'est que c'est pas l'envie qui manque. Le problème des hot tubs, c'est que moi, je suis en appartement, je n'ai pas de hot tub, et qu'à Montpellier, louer une baraque stylée qui en a un juste pour faire un stream, bah, ça coûte tout de suite 300 balles, si ce n'est plus, quoi, en fait. Donc, malheureusement, vu l'état de mes finances en ce moment, c'est pas compliqué. Enfin, je suis pas dans la merde, mais c'est juste que le peu que je gagne et que j'arrive à mettre de côté, je le mets de côté pour me racheter un PC, enfin un double PC. Donc, hot tub, malheureusement, c'est pas l'envie qui manque, mais je vois pas trop ça faisable, quoi. Isaac, je vous avoue que j'ai fait. Normalement, je vous avais expliqué pourquoi j'avais tiré ma révérence. Donc, ça, je vous avoue que j'ai pas très envie d'en refaire. Voilà. Après, tout le reste, honnêtement, moi, ça me va. Hein. Live IRL, bah, ouais. Toujours compliqué, l'IRL, mais pourquoi pas. Hein. J'ai toujours ce fameux stream jonglage à faire. Là, c'était un donation goal de The Event, ça. Est-ce qu'il serait pas sur PS5? Tu parles de quoi? Cyberpunk? Si, il est sûrement sur PS5. Mais Cyberpunk, c'est surtout un jeu. Enfin, c'est un FPS, quoi. Donc, je vais pas jouer à la manette. Ça serait con, quoi. Ça serait un peu teubé, quoi. Le marathon E3 qui aurait pu te fatiguer. Bah, oui et non. Enfin, j'ai pas non plus streamé 80 heures comme je le faisais à une époque, quoi. Tu vois. C'était de quand à quand le sondage? Bah c'était une story Instagram, donc c'était 24 heures. Une story Insta, c'est toujours 24 heures. Paf, paf, paf. Bah voilà, en tout cas. Hein. Voilà où je me situe. Je sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Il se joue bien à la manette, c'est pas vraiment FPS en mode shooting plus. Ouais, mais à choisir entre attendre quelques mois ou quelques années pour y jouer avec une qualité 4K 120 FPS full RTX machin ou
y jouer en 1080p 60 sur ma PS5, je préfère attendre un peu et de l'avoir. Et l'avoir, quoi. Lego que deux. Bah ouais, hein. C'est vrai que c'est presque étonnant. C'est étonnant parce que, en fait, en stream, souvent quand je vous pose ce genre de questions, vous êtes beaucoup plus nombreux à me parler de Lego. Lego et cartes, ça coûte ouais, pas mal cher, sauf si on m'envoie des choses. Ouais. Bah, les cartes, on m'en envoie régulièrement. Lego, j'en rachèterai pas, mais j'ai une Bugatti Chiron à fabriquer depuis longtemps. Mais le problème, c'est que la Bugatti, elle est tellement balèze que si je la commence, il y en a minimum pour 5 jours entiers. Et ouais. Compliqué, quoi. Sur le moment, j'ai plus pensé au multigaming. Mais là, on refait un sondage. Je suis sûr que ça sera plus que deux pour les Lego. Bah, ou pas, hein, ou pas, ou pas. Le problème, c'est que moi, je peux pas faire des sondages comme ça toutes les semaines. Donc voilà, quoi. Elden Ring, j'ai 1000 heures dessus. Je ne me lasse pourtant.